C'est putain de tentant cette connerie. Hein. Aïe aïe aïe. C'est sûr que j'ai les 10 braises quand je finis l'arène. C'est sûr. Il fera pareil. Quelle bande d'enfoirés. On reviendra plus tard. On est raisonnable. C'est faisable là, mais ça va être faisable en me faisant péter un câble. Donc j'essaye de. Et coucou le Ponexide. J'essaye de préserver le peu de santé mentale que je possède encore. Sachant qu'elle est déjà bien attaquée de base, ma santé mentale. Autant faire attention. Alors. Tac, tac, tac. Ok. Et pour les curieux, il y a Natamania qui va lancer son live. Un peu de pub quand même, normal. Sur 12 minutes. Voilà. Alors, pour ceux qui en ont marre de me voir taper des trucs. Hein. Il est gentil. Bon, ça, j'ai pas été trop méchant en ce moment. Enfin, en même temps, personne m'a cassé les couilles, donc résultat, c'est plus simple. Ok, allez. Bon, en tout cas, je suis content. J'ai bien tout clean pour l'instant. J'ai clean pour l'instant tous les services. C'est impeccable. Oh! Un enchantement légendaire, catalyseur glacial. Oh là là! Oh putain, il y a des énigmes. Oh, il y a les cartes au trésor avec des énigmes. Oh putain! Aïe 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 aïe! Artefact. Brock, nous les échangerait peut-être contre de l'argent. Ah non, ok, donc ça c'est le truc qu'on a trouvé. Hein. Ok. Travaux, atteindre le sommet de Muspelheim. Ça c'est trouver toutes les fresques. Oh, même les corbeaux servent à quelque chose, ils filent de l'XP. Hein. D'accord. C'est vraiment ça, c'est vraiment trop cool que chacun des objectifs secondaires, tertiaires file quelque chose. Trop bien. Ok. Invocateur. Invoquer les alliés mystiques. Hein? Ah! Avec les. D'accord, ok. Ah ouais, ça me fait. Aussi, de ma manière de jouer, me fera gagner de l'XP. Par exemple, là, qui a passé le talisman 60 fois, je gagnerai 3500 XP. Hein. Au cas où ça peut être Open Exile pour exclamation. Jeu. C'est la liste des jeux que je pourrais faire dans le futur, des jeux assez longs. Et ça pourra peut-être vous inspirer un petit peu sur les choses à faire. Ok. Alors, tuer des loups. Il y a plein de trucs, putain. Oh ok, reprenons. On va se concentrer. Reprenons la quête principale. Midgard. Midgard, Midgard, Midgard. Est-ce que t'as fait les jeux de cette liste, Olpo? C'est vrai qu'en plus, t'as ton nouveau PC maintenant. Non, t'avais pas chopé la carte graphique, mais t'avais une... Si, je sais plus si t'avais chopé. Je sais que je t'avais aidé, c'était pour Battlefield que tu l'attendais, on en avait parlé, mais... Je sais plus par contre... Non, t'avais une 2110 Super, je viens de me rappeler. T'as une 2110 Super. Ah ouais, donc t'as un bon PC, donc fais-toi plaisir. C'est ça, c'est ça, ça. Yep, yep, yep. Ok. Avec ton 5900X. Hein. Toujours aussi plaisant d'ailleurs, tout le monde toujours au top. Et en plus, c'est vrai qu'on a appris qu'il y aura le DLSS sur le Battlefield, il va tourner, mais ça va être impeccable, BF. Bonne confiance de l'an. Vivant. Vivement, vivement, vivement. Ah bah, bah, écoute, voilà. Après, elle va s'agrandir au fur et à mesure de la liste, mais Stage a tout fait, bah, je comprends. Au cas où, tiens, si ça peut avoir l'autre truc pour t'inspirer, Olpo Nexide, peut-être pour l'exclamation collection. C'est la liste des jeux que j'ai déjà fait sur le stream. Depuis un an et demi. Pas depuis 4 ans, mais depuis un an et demi. Coucou Redvod. Tu as les replays en fait de tous les jeux que j'ai pu faire sur le stream. Ça peut peut-être t'inspirer. Alors attendez, la sorcière. C'est là-bas. Tu me racontes une autre histoire ?
Une seule. Je connais. J'ai déjà fait Ghost of Tsushima. Ah non, tu parles pour Hall Pop. Il demanda aux arbres de la forêt. Forer une branche afin de faire un manche pour sa hache. Collection. Les arbres lui donnèrent un jeune sapin afin de garder leurs membres. Le bûcheron fabriqua sa hache, puis il revint et abattit les arbres les plus anciens de la forêt. Le fait d'être vieux ne veut pas dire qu'on est sage. Non, effectivement. Hein, les boomers ? Putain, ça booste leur connerie, hein. Après, je bois jamais de caféine, hein, donc je suis pas habitué du tout, hein. Là, c'est de la pure caféine, donc c'est vrai que ça me... Oh, ça surexcite, bordel. Je ne bois pas de café, donc mon corps est encore vierge de caféine, quoi. Nouveau truc, là, Holy Energy. Sans sucre. Bah en vrai, soit moins doser, soit en faire que la moitié, parce que là, j'ai encore tout ça à voir, quoi, tu vois. Je vois pas quand je pourrais tout voir, hein. Enfin, tout ça à voir, je pourrais le voir, tu vois, mais c'est en mode... Le serpent est sorti. Oui, je le savais. C'est en mode, j'imagine pas tout voir, là, clairement. Faut que je dorme ce soir, quoi, je vais pas me décaler. Elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle y arrive pas, on pourra quand même garder la tête ? Non. Mais tu pourras la donner au poisson. D'accord. Un jeu sur PC qui se rapproche de God of War ? Non, il n'y a aucun jeu qui sera... God of War, c'est particulier. C'est un mélange beat'em all, action RPG, c'est assez unique comme genre. Concentre-toi, Atreus. C'est tellement stylé le truc de gel. Nioh 1 et Nioh 2 sont très bons. C'est du hack and slash action RPG pour le coup. Ouais. Pas du beat'em all. Très très bon jeu ça. Est-ce que t'as fait les Nioh, le pauvre? Ouais, est-ce que t'es le genre impatient sur les jeux un peu exigeants? Bam, la sorcière. Ah, Darksiders. Singling. Oui, c'est pas faux, tu as raison, Singling. Après, il y a que le 3 qui a une notion de RPG. Le premier, c'est un pur beat'em all. Enfin, c'est un Zelda-like. C'est un Zelda beat'em all, le premier. Et le 2, encore autre chose. Peut-être les Darksiders dans ce cas-là, Olpo. Tu as du potentiel, mon garçon. Et le 3, effectivement, visiblement, un action RPG. Mais le premier, c'est un pur Zelda slash beat'em all. Le tout premier. Tu dis ça à cause un peu de larmes, je vois ce que tu veux dire, mais... Ouais, il y a un truc, il y a un côté beat'em all, et God of War, c'est l'incarnation de beat'em all, quoi, donc, avec Devil May Cry. Enfin, les vieux God of War, les 1, 2, 3. Là, il y a encore une notion un peu de beat'em all, mais on est sur un action RPG avec un... On sent la... Qu'ils ont... Ça mène à l'extérieur. What? Ah, attends, what? Attends, il y a un coffre? Il est où le coffre? What the fuck? J'ai trouvé un saut, mais je sais même pas où est le coffre. What the fuck? C'est quoi cette histoire? C'est pas trop lourd? Si. Ça a l'air lourd pourtant. Darksiders, une des sagas qui est, que je prévois de faire un jour sur la chaîne. Si un jour je finis cette saga à l'eau de ses morts. On aura d'autres votes de saga dans le futur, hein. Sachez-le, mais... Faut-il encore finir à l'eau de ses morts, quoi. Ouais, Banzai. Pour le coup, le 3 a bien marché, hein, de ce que j'en sais, Darksiders 3. Vérifiez, mais il me semble bien. Si vous avez les chiffres de vente, pour le factuel... Oh. Y'en a des trucs dans cette grotte, bordel. Ah, on voit le bon. Parfait. Pour plus tard, ça.
Ça, c'est pour plus tard. Attendez, j'ai trouvé un symbole de coffre, mais d'habitude, je trouve le coffre avant le symbole de coffre. Et là, c'est le contraire. Ça me perturbe. C'est pas ultra réputé. Non, alors que c'est sympathique, hein, clairement. Hop. Donc ouais, t'es du genre un peu impatient, Open Excite, parce que les Souls, c'est pas des jeux si durs que ça. Hein. Beaucoup de gens trouvent ça dur, mais... Faites demi-tour, Az. Ah. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. S'il suffit juste que tu regardes mon slow run de Dark Souls 3 et je te prouve à travers ça que c'est vraiment pas si dur. C'est juste une question de patience et de détermination, voilà, les Souls. N'importe qui a ses deux bras hein, peut finir un Dark Souls, là, et je ne lâcherai pas là-dessus. Hein. Natamaniac en est la preuve, pour le coup. Hein. Elle est pas très douée, mais pourtant, elle a pu finir... Enfin, c'est quand même un peu comme si elle avait fini Dark Souls 1, elle a tué le boss le plus dur. Après, là, c'est le problème. J'ai fait que le 3, ça m'a suffi. Après, les Nioh, c'est mélange hack and slash Souls. Le stuff est vraiment en mode pur hack and slash. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Tu l'as fini ou pas le 3 Olpo, je sais quand même. Ou t'étais du genre à avoir envie de jeter ta manette hein. Vous connaissez New World? J'ai fini 3 sans DLC, ah bah quand même. Ah bah si t'as fini et que c'est pas pour toi, après oui ça s'en va plus. Moi t'as fini, j'ai un cool. C'est rancier les rayons laser. Il y a tellement de combos en vrai dans le jeu. C'est ouf le nombre de combos hein, dans God of War. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure pour vraiment profiter des combos et des situations. C'est ça diversifie le gameplay, c'est assez dingue. Qu'est-ce que ça dit? Oui, père. Non, ça dit pas oui, père. On te demande ce que ça dit. Con de gamin. Saturni things sur tous ceux qui entrent. Il écoute pas ce gosse, hein. Il écoute pas. Qu'est-ce que ça dit? Bien. Changer rien. Juste améliorer ce qui est présent. Mort au dieu corbeau, seigneur des pendus. Bonne ambiance. C'est bonne ambiance, dis donc. Notre vasque de sable. Alors, le but du jeu n'est clairement pas de changer quoi que ce soit, c'est de peaufiner. Les tourterelles nagent tous dans l'océan du ciel. Hein? 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 On dirait le truc de. De Hellebor là avec son. Ces runes sur la roche. Elles veulent rien dire. C'est ah bah oui, complètement. La vidéo d'ailleurs là-dessus sortira, c'est le bilan de la... c'est ce qu'on a fait pendant le bilan de la bêta. Hein. Forcément, je sais qu'il y a des choses là-dessus où ça a été le retour communautaire. Donc tu auras la réponse dans la vidéo de bilan de bêta quand Sombrero reviendra de vacances. J'ai déjà tourné la vidéo. Hein. Peut-être une vidéo d'une demi-heure environ. Père, elle est là! Je suis tellement content de te revoir! Je savais que t'étais pas mort! Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. What? Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ, c'est compris? Oh non, mais c'est les flèches que lui a filées, le nain. Est-ce que tu as bien compris? Dis-le. Non. Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors. Elle cache un truc. De tête.
Elle cache un truc à 100%. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Oh, elle a pas l'air plus perturbée que ça, l'idée de ressusciter une tête. J'ai pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Ah bah ça tombe bien, Wonderlic, il y a une vidéo qui va sortir aussi qui s'appellera « Quel PC pour New World ?» Ça va peut-être t'aider. Pas une blague. Hein, partie des vidéos qui arrivent. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Dans l'eau bouillante? Ah, après, ça va, ouais, tiens pas. Ça suffira. Pas de soucis, Wonderlic. Ça a marché! Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Ah, normal. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la morte va mieux. Je me prosternerais, votre majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Ça va être trop bien, Ragnarok. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Kratos, tu te calmes! Par hasard, tu aurais l'intention de me faire la mort. Elle a un caractère, c'est trop bien. Mais maintenant. C'est trop bien les personnages à l'écrire. De rien. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite. Toi aussi t'as menti, quand Kratos. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. Il a une vision, il a juste une vision, Kratos, qui n'est pas forcément partagée avec beaucoup de monde, mais il a une vision de la gestion des dieux, voilà. Vision assez extrémiste, hein, mais c'est une vision. Pas brut. Ah, New World. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Tiens, d'ailleurs, Singling, ça pourrait peut-être t'aider la vidéo sur l'optimisation des PC. Il prétend transformation hardware. Oui, une Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Ça, c'est vrai. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire. La dernière vidéo. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mien. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. La bonne tête coupée. Hein. Mimir, on est sur le lac. Bon, après, t'as un PC Orson. Tout pourri, toi, donc dans tous les cas, ça sera mieux, mais... pour ceux qui ont déjà une bonne machine, et même en vrai pour ceux qui veulent faire un PC... Ah, faut que j'aille là, ok. Je peux remonter par ici? Je sais pas si je peux remonter là. Je vais aller là-bas dans le doute.
Tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Assez. Plus d'histoire, pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard, petit. Et les, ils sont, enfin, en tout cas, tous les doublages, franchement, en français, sont cool. Hein. Je doute pas qu'en anglais, ça soit épique as fuck. Hein. Mais les doublages en français sont ultra quali aussi. Hein. Les relations, les émotions et tout, sont, tout est parfaitement transmis en français également, hein, clairement. Ted, comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne ! Et merci, barbecue, boys, pour le follow. Bienvenue. Welcome, welcome. Ok. Oui, refritex. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corde. Comment il peut souffler, il a pas de poumon? Putain, à chaque fois qu'il se déplace, ça fout un bordel le serpent. A fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Se souviens de moi. La yu... Oh non, c'est pas ça. Ma kuna un tonko. Ah, oula. Ekko no oto no uno. J'adore la vibration qu'il y a dans la voix du serpent. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il ? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la terre des géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sûrement. Hé, hey, regardez. Il est complètement d'accord avec toi. Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Ben, tiens. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. C'est une merveille, Ghost of Tsushima, mais les tons, gars. Je vous dis, la PS5, alors certes un peu dur à trouver, c'est... Oubliez pas que ce jeu-là, il fait partie du PS Plus Collection, et tout ça est gratos quand vous avez la PS5. C'est quand même ultra propre. Hein. C'est dans Collection, je crois, non, pas du tout.
C'est dans... Je sais jamais comment la trouver. Là-dedans. Enfin, tu prends... De toute façon, si tu prends une PS5 sans PlayStation Plus, c'est que t'as pas compris comment ça marche, quoi. Enfin, vous avez... ça, c'est tous les jeux, en fait, qui sont compris dans le PS Plus Collection. Certains d'entre eux sont Game Boost, comme Days Gone, comme je crois que Monster Hunter World l'est aussi, God of War, FF15, pas mal de jeux. Il y a quand même là-dedans. Alors, il y a des jeux moyens, genre BF1 il est pas fou, Batman, enfin rien que Persona si vous kiffez c'est 200 heures quoi. Je dis, vous avez juste acheté une PS5, vous dépensez, à part le PS Plus 0€, et vous avez déjà plus de 1000 heures de durée de vie, littéralement 1000 heures là. Hein. Donc, parce que là, on a 200 heures ici chez Monster Hunter, 200 heures chez Persona. FF15, c'est bien plus de 100 heures. On est déjà à 500 heures avec 3 jeux, quoi. Mon Dieu. Donc, ouais, c'est impressionnant. Bonne console. Une bonne console.